يعني جددام الرئيس وطلب منا يعني الإذن لشنو يعني للأرض العسكري، وبعد ما طلبها يرجع هناك وشنو يعني وكل شنو على تحت أمر رئيس الجمهورية والجيش القارين أمامه شنو طوال شنو يتنفذوا الأوامر، وبعد الأوامر يعني هم يرجعوا بعيد حتى. أما الآن يعني تشوف شنو رئيس الجمهورية يجي يدا شنو ظهور قليلا من الظهور على قبر الجندي المجهول إكراما وتشريفا للجنود الذين سقطوا ضحايا وشهداء في ميادين الحرب. Alors le président de la République se dirige vers là où se, pour déposer les gerbes de gerbes. Alors pourquoi souvent chaque 1er août on organise ce genre de cérémonie où le chef de l'État se déplace pour déposer des gerbes de fleurs au monument? Oui, en tant que chef suprême des armées, il est conscient du, c'est-à-dire du sacrifice que les militaires ont fait pendant toutes les opérations actuellement, on peut dire au Mali, au Niger, au Nigeria. Donc à chaque fois, c'est-à-dire notre armée sacrifie vraiment des éléments pour pouvoir libérer d'autres nations. Donc en guise de reconnaissance, le président à chaque fois quand il y a des exceptionnels militaires, il vient déposer ses gerbes de fleurs. Surtout honorer les soldats et plus généralement les personnes tuées ou disparues par les feux de guerre. Donc c'est un monument funéraire qui ne contient pas de corps, contrairement aux mausolées élevés dans certains pays ou dans certains endroits, à la mémoire d'une personne ou bien d'un groupe de personnes disparues. Donc dans toutes les régions du Tchad, vous allez voir dans les places de l'indépendance, ce genre de monuments sont érigés chaque fête de 11 août, les gouverneurs ou bien, par exemple, ici, le chef de l'État est venu s'incliner et déposer des gerbes de fleurs au pied de pour se rappeler et dire à ceux qui sont au-delà dans d'autres mondes que nous ne les oublions pas. Et nous connaissons aussi les sacrifices qu'ils ont pu réaliser pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre dans la paix et dans la joie dans ce pays que Dieu nous a donné. نعم وضع رئيس الجمهورية قليلا من الظهور على قبر الجندي المجهول
وذلك إكراما، وبعد أن وضع إكليلة من الزهور قدم التحية والإجلال إكراما واعترافا بالتضحية التي قدمها عناصر قوة الأمن والدفاع في مختلف ميادين الحرب، وأن هذه إشارة قوية لرفع معنويات قوات الجيش. فالآن قائد الفرقة يطلب الإذن من رئيس الجمهورية لبدء الاستعراض العسكرية.